faire savoir quelque chose, les enfants d'Arafat, mes petits-enfants, ce sont des adolescents. Ils sont déjà traumatisés par la perte de leur papa. Et je suis là, je vois il y a 2 jours, un soi-disant ami qui vient sortir la photo d'un petit garçon, j'ai rien contre les enfants, et dire que c'est l'enfant caché de mon fils. Est-ce que c'est normal qu'on vienne vilipender la vie privée, la vie sexuelle d'une star comme DJ Arafat? Il fait ses enfants, il a 20 enfants, tout et tout, mais il a déclaré 4 enfants. On est au complet. Quand je vais finir la vidéo, je vais vous envoyer le message de la jeune fille qui s'appelle Wendy Alima. Elle a fait un post où elle a dit de l'enlever dans ce genre de mensonge. Parce que le jeune homme que, je ne veux même pas dire le nom de la personne, qui est venu dire, voilà l'enfant caché de mon fils, n'est que son petit frère. On ne peut pas aimer un artiste. On ne peut pas être là pour dire que tel artiste était mon meilleur ami. Il ne faut pas confondre ami et profiteur. Je fais ce direct pour vous prendre en témoin. Parce que j'ai déjà dit, la personne qui s'attaque à mes petits-enfants m'aura su son chemin. Que ça soit un de mes parents, la personne m'aura sur son chemin. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ma famille, Olok Macha, il faut arrêter de t'ingérer. Ce message, c'est pour toi. Mon fils n'a jamais dit de faire les extraits d'un de ses enfants. Enlève le nom de Rafna. Enlève le nom. Je ne sais pas. Occupe-toi d'acheter tes oignons, d'acheter tes piments et t'occuper de ton petit commerce qui avance ou qui n'avance pas, ça ne m'intéresse pas. Le 24, je t'ai croisé quelque part. J'ai dit que si tu ne pars pas, je ne m'assois pas à la même table que toi. Quand on est le meilleur ami de quelqu'un, on ne s'ingère pas dans sa vie privée. Les enfants de DJ Arafat, de Won Ange Didier, c'est la richesse qu'il m'a laissée. Pas parce qu'il savait qu'il allait mourir. Mais parce que Dieu peut-être avait écrit. Ceux qui m'insultent, vous avez oublié que je suis en deuil. Je lève mon deuil par rapport à ma fille. Le 22 février, de grâce. Même si on vous pousse à m'insulter. Voilà mes 2 enfants. Voilà mes 2 enfants. Ange Didier. Carla. Ils sont ensemble, en bas de la terre. Vous n'avez pas pitié de moi? Mais Dieu, c'est ce que je vis. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Je suis là simplement pour vous dire d'arrêter de vous faire duper. Les enfants d'Arafat ne sont pas les enfants de n'importe quelle femme. Les petites filles avec qui Didier a fait ses enfants, il a su trier. La pauvre Afna, les bébés, elle ne sait même pas ce qui se passe. Et on se lève un jour parce qu'on a bu un verre de vin de trop. On sort la photo d'une jeune fille. La fille a dit, enlevez-moi dans cette histoire. Le jeune homme qu'on a présenté, ce n'est que mon petit frère. Amen, hein? Amen. On ne peut pas m'arracher mon titre de mère, mort ou vivant. Mon histoire fait pitié. Mon fils est décédé. Je ne me suis pas retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Qu'il ait 1000 voitures, qu'il ait 1000 choses. Attends, il a travaillé pour ses enfants et pour sa mère et son père. Il n'a pas travaillé pour quelqu'un d'autre. Cette vidéo, ce n'est pas pour créer une polémique, c'est pour vous dire simplement que Olok Macha a menti. Et la prochaine fois qu'il... De toute façon, je vais prendre mes responsabilités parce que c'est une grosse diffamation. La diffamation est punie. Quelqu'un qui est resté des années à côté de mon fils, qui n'a pas procuré de bonnes choses à mon enfant. Si tu aimes trop Arafat, là, depuis 2019, tu n'as jamais mis tes pieds sur la tombe de mon fils, même pour déposer un petit ah oui.
les œuvres de DJ Arafat, moi, Ange Didier, est dans la main de ses enfants. Quand je dis ses enfants, c'est vrai, ils sont adolescentes. Je suis en train de me préparer avec leur maman pour pouvoir sortir les titres en bonne et due forme, une bonne promotion. Parce que ce n'est pas n'importe quel artiste. On ne peut pas sortir un truc ou mettre sur streaming bêtement. Et je vous apprends que Arafat a fait un featuring. Non, même pas un featuring. Hein. Quand il était commandant Zabra, il a fait un... Oui, oui. Il a été arrangé par un artiste très renommé. Je ne vais pas parler de ça ce soir. Calmez-vous. Ne vous faites pas distraire. La Chine qui l'a créé là, ce n'est pas pour venir insulter sa mère. Hein. Ce n'est pas pour venir traumatiser ses enfants. Hein. La Chine, c'était simplement pour vous dire qu'il vous aime. Arafat a toujours dit, n'oubliez jamais que je suis le fils de Lokbo Valentine et de Wompierre. Ça tourne sur TikTok, je crois. Au truc de TikTok, là. Regardez cette photo. J'ai agrandi ça pendant les fêtes. Regardez bien. Hein? Regardez l'amour, comment il a attrapé sa petite sœur. Je souffre pendant que je dois me mettre là. Mais ce n'est pas grave. Si c'est mon propre sang qui doit me jeter dans vos mains ou que vous m'insultez, je vais accepter. Vous savez ça? Vous savez ce que c'est d'aller sur la tombe? Maël est venu là, il est parti sur la tombe de son papa. Ah oui, 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 il est parti sur la tombe de son père. Quand je suis arrivé, il venait de partir. Le vigile me dit, Maël m'a fait pitié, j'ai pleuré, maman. Je suis putain, je suis en deuil. Ma fille Carla est morte à 22 ans. Au lieu de faire des vidéos pour m'insulter, me parler des œuvres de Didier, laissez-moi finir d'enlever le deuil de bébé Carla le 22 février. C'est ce qu'on attend pour sortir les titres de Didier. Je suis consciente, les mères sont conscientes, que ce soit Aïcha, que ce soit Carmen, elles sont conscientes que le père de leurs enfants n'est pas une merde. Mais ce n'est pas en agressant les gens. Ce n'est pas en m'agressant. Excusez-moi, 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 c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort ce qui se passe. Excusez-moi, je vais prendre, comment on appelle ça? Je vais prendre un lotus pour m'essuyer les yeux. Je ne cherche pas la compassion de qui que ce soit. Parce que ce que j'ai vécu. Adama, les mignons, tu me dis quitte là-bas. Toi-même, il faut quitter. Si tu ne t'intéresses pas, tu fais quoi sur mon live? Tu fais quoi sur mon live? Faut quitter là-bas toi-même. Tu n'es pas intéressant. De toutes les façons, de la manière que vous me traitez, Ange Didier, de son vivant, n'avait jamais permis qu'on insulte sa mère. Tu sais ce que le sultan, il sait? Il a eu palabre avec Arafat à cause de moi. Il a eu palabre avec Arafat à cause de moi. Mais ça s'est arrangé. J'ai 58 ans, j'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Vous voulez connaître ma vie? J'ai commencé à me battre depuis l'âge de 19 ans. Depuis le jour que M. Wompierre, père son homme, m'a mis la bague au doigt à Marcory, à la mairie, j'ai pris mes responsabilités. J'ai élevé mes enfants seuls, tranquillement. Il n'y a pas eu de nanani nanana à côté. Vous ne m'avez jamais vu sur les réseaux sociaux parce que mon fils ne voulait pas que je sois sur les réseaux sociaux. Il connaissait le game. Et il savait que s'il était vivant et que je me battais sur les réseaux sociaux, qu'on insultait sa maman, ça allait lui faire mal. Arafat pleurait chaque fois qu'il se retrouvait seul. Je vous demande simplement de faire des prières pour lui. Arrêtez de vous faire distraire par des gens qui n'ont rien à dire. Olokbacha, s'il te plaît, laisse le nom de mon fils en paix. Il ne te doit pas. C'est toi qui me dois. Parce que pendant 15 ans, tu as pris ma place. Tu as pris la place de ses enfants. Tu as pris la place de sa sœur, Marie-Emmanuelle. Tu as pris la place de ses cousins. Tu ne sais pas?
Le jour qu'il était en train de frapper Alexia Vaudy, tu te disais un ami. Tu aurais pu te mettre devant lui, te battre avec lui. Et puis après lui dire, ah, je ne voulais pas que ça salisse ta réputation. Alexia Vaudy a été gentille. Elle n'a pas porté plainte. Mais elle portait plainte. La vidéo était trop vilaine. Il doit se reposer. Et ce n'est pas moi. Je ne vois pas mon intérêt, moi, d'empêcher que ses œuvres sortent. Il y a eu trop de polémiques sur ses œuvres. Son studio a été cassé par le même Olo, là. Ses appareils ont été vilipendés, baladés par-ci. La musique a été extraite de l'ordinateur. L'ordinateur, là, est vide. Sa musique se trouve quelque part. Mais je vous promets, ça ne va pas rester impuni. Mes enfants sont tout pour moi. Mes petits-enfants, c'est normal qu'ils viennent vers moi parce qu'ils me connaissent. Maëlle est venue le 25 décembre pour venir voir ses deux mamies, c'est-à-dire moi et puis la maman de sa maman. Elle n'est pas venue pour autre chose. Un de toi, Rafna. Un de toi, ceci. Un de toi, cela. Laissez le nom de mes petits-enfants en paix. Rafna, c'est une fille, elle va grandir. Elle sait qu'elle s'appelle Wong. Elle sait que sa mamie Tina est là. Elle va venir. Carmen vit sa vie. J'ai dit la dernière fois quand j'étais à live que je n'allais plus clasher Carmen. Ce n'est pas parce que Carmen et moi, on dort ensemble, on se voit, on sort ensemble. Je me dis que c'est ma fille. Je me dis que c'est ma fille. Et qu'elle mène sa vie. Hein? Attends, c'est une jeune fille. Qui peut supporter ça là? Vous m'avez dit du n'importe quoi, que c'est toi qui as tué mes enfants. Si moi, Valentine, j'ai tué mes enfants. Si j'ai tué mes enfants. Excusez-moi. Hein. Je prends le crucifix en témoin. Toutes les personnes qui vont me répéter ça encore, ils vont régler ça avec celui qu'on appelle Jésus. Celui qu'on appelle Dieu, El Shaddai. Laissez-moi vivre mon deuil. Laissez-moi vivre ma vie. J'ai fêté mes 30 ans de carrière aussi parce que pour rendre hommage à mes enfants. On m'a boycotté. Tu vas taper poteau. Tu vas faire ceci. Mais Dieu n'a pas permis. Mon fils même n'a même pas permis ça. Je suis une personne vraie. Je ne suis pas une personne qui est là pour déranger les gens ou déstabiliser les gens. Laissez-moi tranquille. Et arrêtez d'écouter des gens qui sont en manque de sensations. Comme c'est le mois de janvier, il faut inventer des histoires. Olo, quand je mettais mon fils au monde là, il est sorti seul, il n'est pas sorti jumeau. Parce que c'était pour toi, tu devais être son jumeau là. Voilà, il bilaï. Hein? J'allais demander au docteur de prendre un et puis j'allais prendre mon ange Didier. Donc pour revenir au message que je voulais vous lancer, c'est que ces enfants sont que quatre. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Les enfants que vous avez vus pendant les funérailles, là, ce sont les enfants de mon ange Didier. Les petits-enfants de moi, votre artiste, votre maman, Tina Glamour. Donc arrêtez. Arrêtez un peu. La Chine, mon fils n'a pas créé ça pour que vous vous mettez là pour insulter les gens. Vous ne pouvez rien faire. Même moi qui suis là, si je dois sortir un truc, une chanson de mon fils, je suis obligé de respecter, comment on appelle, certaines clauses. Pour revenir à ma mère, moi je n'ai pas dénigré ma mère. Je n'ai fait que répondre à ma mère. Parce qu'on ne fait pas de vidéos pour commencer à accuser X et puis elle. Et puis c'est ma mère.
Ce n'est pas votre mère. Je suis l'enfant de cette femme. Je réitère mes propos. Mais pour ce soir, ce n'est pas d'elle que je suis venu parler. Je suis venu parler du gros mensonge qu'Olo Kpatia a eu à mettre sur la toile concernant Wendy Halima. Tapez sur les réseaux sociaux, Wendy Halima, elle a fait un post. Elle dit, l'enfant qu'on est parti mettre sur les réseaux sociaux, c'est son petit frère. Il faut que ça rentre dans vos oreilles, là. Vos yukouli, là. Ça n'a qu'à rentrer dedans. Wobrou. Désormais, je sais ce que je vais faire. Et je préfère vous dire que la Yorogang est dissous. Il n'y a plus de Yorogang depuis 2019. J'ai vu un poste où on a dit que oui, la Yorogang va ressurgir le 12 août. Le 12 août, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura absolument rien du tout. Parce que la récréation est terminée. La récréation est terminée. Vous avez la chance que le papa, l'ange Didier, ne soit pas là. Pas parce que je suis contente qu'il soit mort, mais s'il était vivant. Je ne vois pas qui. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Et ça, de quoi je parle ?